הלו בעזרת השם לגמרא דסומתה ברכות לפש סיס ב. ואמר רבי חלבו, אמר רב הונא, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמישה קולות. הלו ואלק לפרופט ירמיהו אילה אמנה אין פרופסיה וכין בנדיקשון. כאילו לבנדיקשון עוד יישמע בערי יהודה

Et tu réjouis pas le chatan. Tu au verbe khamisha kolot. Rashi c'est un dénigrement à la bénédiction du prophète Hirmiyaou qui disait oh di shama kol chasson, ve kol simcha, kol hatan, ve kol kala. Tu dénigres cette bénédiction. Tu réjouis pas le chatan parce que il y a pas de simcha si le chatan n'est pas sa mère. Si le chatan est triste, si quelqu'un peut, peut, euh, peut être joyeux dans un mariage. Alors il dit ici ve imesameho. Et si tu réjouis le Khatan, mascharo, quelle est la récompense pour celui qui réjouit le Khatan Quand Tu as réjoui le Khatan. Qu'est-ce qu'il y a comme récompense Rabbi Yehoshua, Amar Rabbi Yeshua, ben Levi, zochel la Torah, Shinitna ben Kolot. Tu reçois la facilité d'étudier la Torah et de la comprendre, car la Torah aussi a été donnée par cinq voix. khamisha Kolot, ou Mamad Arsinai, ויהי ביום השלישי, ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק. הלא, קול, ויהי קולות וברקים, קולות ופלוריאל. הפרה, וקול השופר חזק, ויהי קול השופר, אנקור למו שופר, קול שופר, ומשה ידבר, והאלוקים יעננו בקול. קונטון, כמה זמן תקראי למו קול אישי? לפרה ומפרה תקראי קולות וברקים, קולות.

Est-ce que c'est par hasard, 5 et 5 fois? Non. dira ce c'est pas hasard. Si tu réjouis Hatan, tu aurais d'étudier la Torah plus facile. Qui veut dire? Combien de fois tu veux t'asseoir étudier, mais si tu es découragé? Tu ouvres un gmara, tu sais même pas lire. Tu ouvres le Mishnah, tu n'arrives pas à la comprendre. Tu, tu vois une Halakha, tu sais même pas qu ce que ça dit. Tu n'as pas. Alors tu t'es découragé, tu te décourages, et après tu veux même pas étudier Shalom. Chalon. Mais quand tu ouvres et tu comprends, tu dis waouh, j'ai compris, tu continues. Et tu te casses un peu la tête, c'est comme ça, petit à petit, tu avances. Okay? Alors quand tu as cette difficulté, tu sais qu'est-ce que tu fais Tu vas réjouir un Hatamikala. Il, il raconte sur le Admor Migour, le Rebbe de Gour, une fois, il a dit à son chamanage Trouve-moi un mariage, on va aller ce soir. Il dit Qu'est-ce que c'est trouve un mariage Il dit Rien que trouve-vous ce qu'il y a un mariage ce soir à Blébrak. on va aller ce soir. L'autre, il n'a rien compris il a trouvé un mariage dans une salle et dit rabbi ici, I'ma. Il dit emmène moi dedans. Ils sont rentrés dedans. Quand ils sont rentrés, personne attendait que ce rebé il rentre Tout le monde voit wow, waouh, le rebé est là, le hatan, il se remplit avec joie et le rebé il a pris le hatan, il a dansé avec lui comme 15 minutes. Après 15 minutes, il leur a dit mazalto, Mazal tov il est parti. En partant pour la maison, le chama lui a dit "Je comprends rien, qu'est-ce que vous avez fait maintenant on retrait dans un mariage, on ne connaissait personne. Oui, les gens étaient contents de vous parce que tout le monde vous connaisse. Mais qu'est-ce qu'on qu qu a à faire dans ce mariage Il dit non. Ça fait déjà trois jours. J'arrive pas à comprendre un passage dans le Talmud. Ah, j'ai dit comment la Après, je me suis rappelé que celui qui réjouit Hatan Vechala, Akoshmochol lui donne la facilité de comprendre la Torah. Je me dis n'importe quel mariage, on va réjouir le Hatan. Et maintenant, je suis sûr, si je vais commencer à réétudier le sujet, je vais comprendre de mieux mieux le sujet. Alors, c'était une ségoula pour comprendre la Torah. Maintenant, qu'est-ce que c'est réjouir une hatan Lui donner un beau chèque, un grand montant d'argent. Qu'est-ce que c'est réjouir une hatan Mais le chèque, il ne le verra pas que le lendemain. Nous, on parle le soir du mariage. Qu'est-ce que c'est Alors, la Gemara de nous explique. Tu vas chez le hatan. Et tu lui dis, tu sais, la cala que tu as pris, ah, je la connais, je connais la famille, c'est une bonne famille. Et la cala, c'est mis d'autobot, de bons traits de caractère. Et tu sais, elle va être une bonne femme pour toi. Rien que tu lui dis ça, waouh, tu l'assures. Lui, tu lui, tu parce que le mariage, pour certains gens, c'est un stress. Parce qu'il sait pas quest ce qu'il reçoit comme cadeau. Cadeau entre guillemets, est-ce que c'est un cadeau C'est -ce un cadeau, un vice caché. Il ne sait pas, les pauvre. Maintenant que tu vas chez lui, et tu lui dis, hé hey, Écoute, c'est une bonne fille, une bonne famille et tout ça. Alors là, tu l'as réjoui, tu l'as assuré, tu l'as mis confortable. Ça c'est. Et tu vas chez la Kala, tu dis Ah, je connais le Hatan, tu sais, il est sérieux. C'est un, un, un honnête, c'est un gars honnête. La famille c'est une bonne famille. Alors ça c'est Simhat Katam. Ça c'est Simhat Katam Vekala. Simhat Katam c'est de le réjouir de la Mara par des paroles. varim. Après. Après, il y a une autre simcha. C'est quoi Tu prends le hatan, tu danses avec. Les femmes prennent la kala, ils dansent avec. Ken? La musique. Vous savez qu'il y, y a un temps, il y a à peu près, euh, à peu près euh, 500 ans, il y avait au temps d'un grand décisionnaire, Maharil. Le gouverneur de la ville, il a perdu sa femme. Il a décrété que personne a le droit d'écouter la musique pendant un an. Mais non, lui, c'est un goy. Mais quand il a décrété, pas pour les juifs, pour tout le monde. Ils voulaient pas entendre la musique dans la ville pendant un an. Il y avait juste en cette période, il y avait un Hatan de Kala qui devrait se marier. Ils sont partis demander un au Maril. Ma Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait le mariage sans musique Il dit non. Un mariage sans musique, c'est pas un mariage. Il leur a dit sortez de la ville, allez dans une autre ville et là-bas, vous vous prenez une orchestre et tout ça pour te dire l'orchestre. Ça met l'ambiance dans le mariage. Sans orchestre, qu qu'est-ce qu que tu vas faire Tu peux danser tout ça, mais c'est pas la même chose. Alors l'orchestre, le chant, tout ça. Alors si tu chantes dans un mariage, tu danses avec le khatan, tu le réjouis. Tu le réjouis à cause de il a aussi une récompense pour te donner. Amen.